Hey, salut tout le monde, c'est Spectrole, comment ça va? On se retrouve bien pour les plays de Pokémon version X en Nuzlocke Miracle. J'espère que vous allez bien, en tout cas on est parti pour l'épisode numéro 6 et j'espère qu'on va faire l'arène numéro 2 parce que quand même on est déjà à l'épisode 6 et on a quand même bien avancé justement. On a réussi à avoir la Poképlume, donc du coup on a fait toute cette route là, on a fait donc l'espèce de château, on a visité donc le palais chef-d'œuvre, on a aussi récupéré Quaffarel et à partir de ce moment là on a pu justement avoir et eh bien cette petite Poképlume. Donc je suis assez très très content justement du résultat et on a très bien avancé je trouve, en tout cas au niveau de cet épisode. Donc du coup on a Caninos, dont voilà, j'ai pas XP hors vidéo etc. Toujours en mangriffe, hein, peut-être qu'on l'utilisera, je ne sais pas, faudra voir après peut-être au niveau du sondage, on verra ce que ça donnera. Donc attends, du coup, ah ouais, du coup on va se faire Ronflex. Alors beaucoup de personnes m'ont dit, est-ce que tu peux capturer Ronflex et après le prendre en échange miracle? Voilà, il faut savoir que je ne pense pas justement utiliser Ronflex parce que sinon ça serait trop facile, étant donné que c'est de l'échange miracle et vu que ça soit interactif justement, bah je peux pas me permettre de capturer un Pokémon de zone quoi. Donc voilà. Pour le moment on ne peut pas. Ronflex a ouvert les yeux, ou plutôt entrouvert. Ah c'est parti, on va affronter Ronflex. Ah. Ah. D'accord. Je croyais qu'il s'enfuit, mais en fait non. Donc vous avez bien raison. Ça va être compliqué là. Il est niveau 15 quand même. Hein. Je vais essayer de faire ma chouille. Ah! Wouah! Doucement! Si on fait Flamèche, ça devrait le faire ou pas? C'est tout! Calme-toi là! Hein, ouais, je le sens pas l'épisode numéro 6. Hein. Oh là là, je le sens pas! Ah bah attends, on a Magnéti. Heureusement qu'on a Magnéti parce qu'il est de type acier. À moins qu'il attaque combat là, ça serait la merde. Ou une attaque feu, mais je pense pas. Je sais pas s'il peut apprendre Croc de feu par exemple. Putain la vache! Le coup critique l'échouille quoi! On va faire Sonic Boom, ça enlève toujours 20 HP, c'est bien ça. Ah mais il a quand même pas mal d'HP. Quoi? T'as une baisse Citrus? Quoi? Deuxième coup critique? Mais c'est une blague? Quoi? C'est n'importe quoi! Mais on se fout de ma gueule! Mais c'est pas possible! Mec, il a amnésie, il me fait deux fois un coup critique! Heureusement qu'il me paralyse pas, mais l'échouille c'est à 20, on est d'accord! Oh non, arrête, arrête! Attends, heureusement qu'on a lui. On va faire tranche. Voilà. Oh là! Bim mon gars! Qu'est-ce qui se passe? Mangriffe c'est le meilleur! Et voilà, donne-moi ton XP. Lui il monte au niveau 17, très très bien. Ok, parfait. Nickel. Ah bah voilà, là on est content. On est content. Là je pense qu'on va aller au centre Pokémon parce que là... putain la vache! Oui, coiffe coiffe, ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, c'est lui là. Désolé d'arriver comme un cheveu sur la soupe. Dire que pour moi la Poképlume était une simple décoration. Mais pour nous c'est autre chose. Alors que tu as toujours eu un vrai talent pour le pipeau. Même mon petit trésor poilu aime ce que tu fais. Mais sûrement pas autant que le feu d'artifice des coiffants que je tire pour lui. Sans doute, oui. Et puis, soyons francs, tu te débrouillais mieux dans le passé. Allez, je sais que tu n'as pas de poils dans la main, reprends ton instrument et pratique tous les jours. Ok. Vous pouvez me soigner, s'il vous plaît? Sana, tu peux me soigner? C'était la tentative de réconciliation la plus minable que j'ai jamais vue. Je me demande... je me demande ce qu'on va trouver maintenant qu'on peut passer. Bah alors là par contre, donc c'est justement donc d'accord, laissez-moi parler, non? Ici justement, c'est une pension pour avoir des œufs de Pokémon, etc. Hey, Miss E, tu tombes à pic! Trop, vous voulez voir la pension Pokémon? Allez, on va y faire un tour. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ici, c'est la pension Pokémon, on s'en fout! Non, on s'en fout. Mais on a déjà vu. On s'en fout. Non, pourquoi j'ai dit on tente la pension? Oui, je me casse. Salut. Ou alors, attends, au lieu de soigner ces Pokémon, on va faire un truc. Ça va être beaucoup plus pratique et on fera même pas d'ellipse. Donc du coup, deux Pokémon ont été touchés. On est d'accord. Donc du coup, on va mettre Caninos dans le PC. Et après, on va le reprendre dans notre équipe. Et ça va être trop trop bien, c'est que justement il va se régénérer. Regardez. Il est...
Et voilà! Ça, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment un truc qu'ils ont fait. Enfin, c'est vraiment intéressant, quoi. Mince. Hop là! Voilà, nickel. Parfait. Bulle bizarre, tu reviens, évidemment. Ok. Donc, du coup, j'espère qu'on va se faire le deuxième badge. J'aimerais beaucoup, franchement, j'aimerais beaucoup me faire le deuxième badge parce que c'est une chose que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'espère qu'on pourra le réaliser ensemble. Donc, du coup, je vais prendre Reptarcel. Faudrait vraiment qu'il XP un petit peu parce que. Ah, pas non, aussi, faudrait qu'il évolue aussi. Je vais essayer de l'XP. Alors, attendez, par contre, j'ai fait une connerie, mais vous me l'avez pas vraiment dit dans l'épisode. Enfin, c'est pas une grosse connerie en soi, mais c'est disons qu'il n'y a plus les animations d'attaque. Donc, du coup, je vais les remettre parce qu'en fait, quand j'XP mes Pokémon pendant le tournage, etc., eh bien, je le mets et je le mets pas en fait. Et comme ça. Mince, qu'est-ce que je viens de faire là? Qu'est-ce que je viens de faire? Animation de combat, oui. Ah oui, appliquer les changements, bien sûr, bah oui, évidemment. Allez, c'est parti! Allez, on y va! On y va! Non, pas les combats durs, j'aime pas! Ça me rappelle sous Silver Nether Challenge, j'ai perdu plein de Pokémon! T'as quoi comme Pokémon, toi? Que Lorior! Ça dépend des attaques des Que Lorior, tu vois. Reptarcel, go! Mangriffe, il est trop cheaté. Il est trop cheaté. Bon, on va passer justement sur une racorage. Ça va enlever 40 HP. Et on va faire une petite tranche. Je pense que tranche tue le Que Lorior. Hein. Clairement, il est pété ce Pokémon, hein, Mangriffe. Hein. J'espère qu'on va pas le perdre aujourd'hui. Il faudra regarder le sondage. Oh, coup critique! Allez, bim! Qu'est-ce qui se passe? Voilà, niveau 17, on fait moins le malin. Parfait. Ah, pas mal, pas mal. Dracorage, 40 HP. Je pense qu'il en a plus que 40. Hein. Ouais, il en avait pas beaucoup de toute façon. Là, on a juste à faire une petite attaque, se régler. Hein. Ça, c'est nickel. Bon, c'est parti. On go. J'espère que j'ai pas attaqué mon Pokémon. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Ok, nickel. Parfait. J'ai augmenté un petit peu le son, donc peut-être que ce sera un petit peu plus fort. Parce que dans l'épisode numéro 2, il y a des personnes qui m'ont dit « Je comprends pas, j'entends rien, etc. » Donc je sais pas. J'ai augmenté, donc je verrai. On verra au niveau des résultats, au niveau des commentaires, ce que vous allez dire. C'est parti, go. Allez, vas-y. Donc là, c'est la deuxième arène ou pas? Oh, mais c'est pas encore? On est où, là? Je me rappelle plus de ça, ce goût-là. Savais-tu que ce bâtiment est un lieu d'entraînement très prisé des dresseurs, on l'appelle le château de combat. Ah oui, le truc que j'ai jamais fait, c'est vrai. En apprenant toujours plus sur les Pokémon, je suis certain que tu pourrais les battre, les 8 champions de Kalos. Ah ok. Mais on va pas le faire, si. Non, ça va, on peut se barrer. On peut se barrer. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais vraiment faire un combat à 4. Oh non. Attends, on est Rogène, donc c'est bon. Nickel. Ouh là là! Ah, ça s'enchaîne vite les combats. En plus, j'ai passé la plupart des dresseurs, j'aurais peut-être pas dû là. Ah ouais. Mince. Bah, on va prendre pas de nom, écoute. C'est Berdy. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui? J'espère qu'il va faire une attaque vraiment intéressante, quoi. Une attaque, c'est pas fou, hein. Oh, il fait zéro dégâts. Mais pas sur moi, sur l'autre! Voilà, tue-le. Non, c'est pas mon Pokémon, je m'en fous. Merde, mon stylet. On va lui faire Fouillian sur les crapins s'il va pas kiffer. Hein. Tu sais, il a quand même trois Pokémon. Hein. Non, fais-le sur Pikachu. Fais un truc. Ah ouais, tue-le! Allez, tue-le. Ah dans Slam Mask Level! C'est une blague! Tue-le. Oh putain, je l'ai pas tué! Oh là 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 là! On est mal là, hein? Oh là là, on est mal! Tue-le! Mais non, mais sur l'autre! Mais des cons! Allez, tue-le, vas-y, casse-toi! J'espère que t'as un autre Pokémon, sinon ils vont me focus. Putain! Wow! Calme-toi! Ouais. Je fuis! J'espère qu'il n'y a pas poursuite, hein? Non, je pense pas qu'il a poursuite à ce level. Non, faut pas déconner. Attends. Non, je pense pas.
J'espère pas en tout cas. Oh putain, il l'a pas. Oh là là, calme-toi toi. Oh là là, force poigne. Putain, il m'a fait dans slam quoi. À ce level, genre level 16 dans slam. Allez, dégage. Putain, ça tue même pas, c'est une évolution. Faire tranche. Ah mais on va être paralysé, non? Oh Zef, c'est pas grave. Ouais, Pika Pika, t'as vu Pika Pika, ton Pokémon là, niveau 15. Ah, elle va bientôt évoluer. Bélier. Il apprend Bélier? Enregistrement, on enlève, c'est de la merde. Parfait, nickel. Niveau 19, on est bien. Flabé. Oh putain, pas ça. Pokémon type fée, dégueulasse là. On va faire tranche sur lui, je pense qu'il va pas kiffer. Même si c'est un Pokémon type fée, il va prendre très très cher. Voilà, Kukrichi, qu'est-ce qui se passe? Parfait. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Oui, oui, on vous a battu. On vous a battu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'entends des bruits. What? J'entends des bruits chelous. Je sais pas si vous entendez. C'est bizarre. C'est bizarre. Peut-être des travaux. C'est vraiment bizarre. Donc on va rentrer dans cette grotte justement. Oula oula, qu'est-ce qui se passe là? What? Nous sommes la Team Rocket. Bien vu gamin. Ou bien dire gamine. Tu nous as bien entendu. C'est effectivement, on croyait qu'on n'avait pas vraiment fait de bruit. On voit bien que ton Nuzlocke Miracle s'avance plutôt bien, et en plus de ça, les viewers te mettent pas vraiment des bâtons dans les roues. Nous, la Team Rocket, on va prendre tous tes Pokémon. Nous sommes la Team Rocket. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation, afin de relier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie Lactée. Jesse, James, la Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou sera la guerre. Miaou Sui la guerre. On va prendre tous tes Pokémon. Adieu, gamin. Aïe, ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, la Team Rocket. Mes Pokémon. Quoi? Il en reste un. Je n'ai pas perdu tous mes Pokémon. Mangriffe. Aïe. Comment je vais faire là? En plus, le sondage. On va regarder le sondage, les amis. Ah. C'est compliqué. Mangriffe devait partir de notre team. Mais on a perdu tous mes autres Pokémon. Bon. Bah cette règle, pour le moment, elle est mise de côté. Ça m'embête un peu quand même. J'espère qu'on pourra retrouver nos Pokémon. Peut-être si on bat le deuxième champion de l'arène. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Team Rocket est dans ce Nuzlocke Miracle? C'est bizarre. Quantum. On va essayer de revoir nos Pokémon. Il faut vraiment qu'on redécouvre justement la Team Rocket. Et qu'on se venge. On va faire tranche. On va se venger. Tous les Pokémon qu'on va voir, on va les détruire. Ça vous apprendra. Et Lionceau. Oh là là, ça commence à être compliqué quand même. Hein. Ah, ouais. J'aurais pas pensé qu'il y avait la Team Rocket ici. Et comme par hasard dans une grotte. Bizarre. C'est ça qu'on avait entendu en fait. On avait entendu les espèces de bruit. C'était sûrement la Team Rocket. Oui, Misterbe. Adieu. Pikachu. Ah, oh, Pikachu, tu vas mourir. On va se venger. J'espère qu'on pourra retrouver nos Pokémon. Parce que si on n'a plus qu'un Pokémon dans le Nuzlocke Miracle, ça risque d'être vraiment compliqué. Ah, niveau 21, parfait. Est-ce qu'on est près de l'arène? C'est bizarre. Vite, faut qu'on se dépêche. Quoi?
Ah, c'est pas par là. C'est par ici. Mais j'ai pas force. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me suis trompé de chemin? Oh putain, on n'est pas dans la merde. Oh là là! Attends, c'est quoi ce délire? Je suis perdu là. Est-ce que j'ai force? J'ai sûrement force. Coupe? Mais non, j'ai pas force! Mais... faut passer par où? Bah là, on est complètement perdu. C'est un petit peu bête, mais c'est comme ça. Mais attends, on n'est pas passé par ici, donc ça... Attends, on est peut-être pas bloqué. Ah, on n'est pas bloqué! D'accord, on peut passer par là. Parfait, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Putain, plus qu'un Pokémon, ça va être trop compliqué, là. Ah, elle me soigne toute mon équipe, il m'en reste qu'un. Formidable. Bon, allez, on s'enfuit d'ici. On s'enfuit d'ici. Donc là, c'est les... Oh, les mains! Ils s'y veulent. Ah, on t'a fait peur, désolé. Tu vas bien avec ton mangriffe? Bah, j'ai perdu toute mon équipe de Pokémon à part un. Tu ne pensais quand même pas qu'un seul Pokédex suffirait à couvrir une région si grande que Kalos, j'espère. Mais vous m'écoutez? C'est pour cela que nous venons d'améliorer ton Pokédex. Maintenant que le Pokédex des côtes de Kalos est disponible, n'hésite pas à le sélectionner dans le menu du Pokédex. On dit que rencontrer des gens et des Pokémon fait grandir, tu sais. Bah, il est l'heure de nous quitter, bon voyage. En fait, on a vu la Team Rocket, elle est partie par là-bas. Ah, d'accord. Bon. Eh bien, espérons retrouver bien la Team Rocket. PV+, ah, ça se trouve en 4900, ça peut être cool. Ou l'utilise sur un Pokémon, mais bon, on sait jamais. Là, la priorité, c'est bien sûr reprendre tous nos Pokémon, mais pour le moment, on est un petit peu bloqué. C'est embêtant. Tiens, un autre mangriffe. Ah ouais, c'est peut-être ici qu'on trouve des mangriffes en fin de compte. Ah, il y a une petite Pokéball. Il y a peut-être un dresseur. Ah, j'hésite, peut-être faire des dresseurs. Oh, Absol. C'est trop bien ce Pokémon. Je l'aime beaucoup ce Pokémon. On va lui faire un... Je pense qu'il peut nous donner pas mal d'XP. On va faire tranche. V'là! Adieu mon gars! Ça t'apprendra. Faut qu'on retrouve la Team Rocket. Allez, vas-y. Oh, c'est pas possible! Un drabi! On peut trouver des drabis ici. C'est compliqué. Encore des Pokémon. Encore un mangriffe. Il y a que ça ou quoi? Je me casse. Je me casse de ce Pokémon là. Je me casse. Allez, vite, 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 vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, allez, on sautille. Ok, ok, ok. Ça sert à quoi? Je me suis trompé. Je pense que je me suis trompé. Non? Ah, mais attends, on peut passer par là, directement. Attends. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pierre plante! Oh, j'aimerais bien trouver une pierre feu si un jour on arrive à rechoper, eh bien, mon Caninos. Voilà, tu m'enquêtes. Ça peut être vraiment pas mal d'avoir un Arcana. Oh non! Faut tout refaire! C'est pas possible. Bon, on sautille. Oui, je sautille. Tac, tac. Et voilà. Parfait, on est à Rochurglyph. Eh voisine, c'est dingue. Oh, Kalem. Tu n'as pas vu la Team Rocket par hasard? Il suffit de traverser l'aquarium pour se rendre à Rifac le haut. Il paraît que le bureau d'études des fossiles répond à toutes les questions sur les fossiles. Peut-être bien qu'ils n'en sauront plus sur les pierres étranges et les méga-évolutions. Ah, on pourra peut-être récupérer un Pokémon fossile. Non, qu'est-ce que je vais là? Pourquoi je veux son Pokémon, moi? Attends. Peut-être à l'aquarium. Alors, je crois qu'il y a la canne quelque part. C'est lui qui donne la canne, non? Non, c'est pas lui. Mais c'est qui donne la canne? Je sais plus. Ah, c'est lui. Lui donne la canne, je crois. Voilà, c'est la canne. Bon, voilà, comme ça, on a une petite canne. Magikarp doré, Magikarp shiny. Non, je sais comment ça fonctionne. C'est plus... c'est par où? Ah, c'est peut-être ici, non? C'est peut-être là, ouais. Ça doit être sûrement là. Ah non, c'est pas par là. Mince.
Qu'est-ce qu'elle me parle de vitesse? Je m'en fous de tes vitesses, moi. Non. Non plus. Très bien. Bon, ils servent à rien. Très bien. C'est compliqué. Mais c'est où? Ah, bah c'est ici. Parfait. C'est ici. Donne-moi un fossile, j'en ai besoin. Je suis dans la merde, j'ai plus de Pokémon. Oh non, on peut pas. Oh là là, on peut pas pour le moment. Non. Ah, attends. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Un instant. Oh, bienvenue, graines d'archéologue. Je vois que vous avez attiré ici par le charme mystérieux des fossiles. Bonjour, c'est moi, c'est Kalem, et voici Emma. Elle a perdu tous ses Pokémon, à part un. Je rentre immédiatement dans le vif du sujet. Savez-vous ce qu'une méga évolution? Oui. Ah, vous êtes le protégé de ce cher platane. Les méga évolutions, hélas, trois fois, hélas. Je n'en sais guère plus que vous. Si ce n'est qu'elles sont liées à d'étranges pierres. Mais à vous tous, vous êtes ses disciples. Elle a dû vous parler des fossiles quand même. Oui. Je savais bien qu'il ne prendrait pas les premiers clans parvenus pour l'assister. Les fossiles sont donc les empreintes laissées par les Pokémon de jadis. Je pense que vous devriez vraiment vous rendre sur le site des fouilles pour mieux comprendre. Ah, vous n'avez même pas un début de piste sur les méga évolutions, c'est ennuyeux. Mais j'y pense. Avec un peu de chance, les Pokémon recréés à partir de fossiles ont un rapport avec les méga évolutions. Et si vous voulez des fossiles, il faut demander à l'assistant du professeur. Il est à la grotte étincelante. Ah, ça serait ici justement pour avoir un fossile. On fait quoi? Puisqu'on est venu ici, on pourrait rencontrer cet assistant. Miss E, tu vas à la grotte étincelante? Ouais, il faudrait qu'on y aille. Tiens, une CT. Force cachée. Enfin, force nature. D'accord, bah ça c'est cool. Je suis assez content. Mais bon, je suis perdu en fait. Là, je sais pas, je dois aller où? Je dois aller où, là? Ah, bah par ici alors, d'accord. Laissez-moi passer. Attends, le professeur, il dit quoi? Ah, tant pis. C'est pas grave. Ah, oh, Rhinophéros. Non, pas Rhinophéros, Rhinocorne. Ah, bah c'est peut-être comme ça. Attends. Attends, c'est dur à... Quoi, il y a des Pokémon ici? Je me rappelle plus de ça. Oh, Galvaron, il est trop mignon. J'aimerais bien l'avoir, mais on peut pas. On peut pas. Ouais, non, on va fuir, on va fuir, on va fuir. Est-ce que j'ai des repousses quelque part? On va essayer de voir. Des repousses. Alors j'ai chopé une perle entre temps et puis une Bémago. Voilà. Rien d'intéressant. Non, j'ai pas de. Non, j'ai pas de repousse. Bon bah elle est toujours tout droit, hein, écoutez. On peut pas aller plus vite. Non, on ne peut pas. Il a du mal à marcher, notre cher Qu'est-ce qu'il fait? Rhinocorn, tu sais, il est un petit peu sous des fois. Ah, masquaillement. Ah, c'était marqué un truc différent d'une rencontre de Pokémon sauvage. C'était marqué quoi? Oh, votre monture a trouvé un Pokémon, un truc comme ça. Attends, faudra peut-être qu'on essaye de retrouver ça. Donc on tombe sur un Pokémon. Et bim! Et bim! Voilà, ça vous apprendra. Bon, j'espère que la Team Rocket est quelque part ici. Ça serait bien. Mince, qu'est-ce que je fais? Mais non, reviens, reviens! Casse ça, voilà! Casse tout! Allez, vas-y! Voilà, bien joué! Laisse-moi passer, voilà, je veux la Pokéball. Défense plus. Ah, c'est tellement nul. Parfait. J'aime bien avoir des objets inutiles dans mon sac. Et que ça pèse bien lourd après, tu sais. Bon, allez, vas-y. On va passer par là. Alors, je sais pas si c'est à gauche ou à droite. Mais qui tu fais, Rhinocorne? Il est bourré. Mais, Rhinocorne! C'est pas possible, ça. Ouais, bravo. Alors, qu'est-ce que c'était marqué? Oh, votre monture a failli écraser un hippopotas. Ah, d'accord. Ok, ok. Ah, hippopotas, on va essayer de le tuer. Bon, en fait, il faut qu'on se fasse de l'XP parce qu'on n'a plus qu'un seul Pokémon. Tranche, vas-y, go. Ouh là là, là c'est compliqué. Là c'est compliqué. Là c'est vraiment compliqué. Moi je pars. Je pars, faut que je le tue. Voilà, nickel, parfait. Nickel. Ok, parfait. Donc du coup, on va essayer d'aller par là. Alors, je sais pas si c'est ici, par contre. Ah, c'est des dresseurs, ici? Oh, ça va être la merde, si c'est des dresseurs. Hein. Non, je ne pense pas. On peut passer de l'autre côté. Attends. Non, mais arrête d'avoir des Pokémon sauvages. Oui,
On va fuir. On fuit, on fuit. Ça peut paralyser, je pense, ce genre de choses. On se casse. On va passer par là. Voilà. Nickel. On passe à côté. Elle nous voit pas. Parfait. Et peut-être que la Team Rocket est par là. On le saura dans le prochain épisode de Pokémon X Nuzlocke Miracle. En tout cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter cet épisode. En tout cas, j'espère qu'on retrouvera la Team Rocket. J'espère qu'on retrouvera bien tous nos Pokémon. J'espère qu'ils ne sont pas si loin. Je pense qu'ils sont dans cette grotte. J'espère qu'ils seront dans cette grotte. Sur ce, merci à tous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde. C'est le mec. Salut tout le monde, tu sais. Mec, il a perdu tous ses Pokémon, c'est... Salut tout le monde. Lui qui doit être triste normalement.